et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 8. Oui, vous avez remarqué, il n'y a pas eu de Vlogmas numéro 17. Écoutez, pour une raison très très simple. Dimanche, j'ai passé la journée avec des enfants. Alors non seulement j'ai passé mon dimanche avec mes amis et du coup je vais pas vloguer des discussions entre amis, mais surtout j'étais avec des enfants et il n'est pas question que je filme les enfants de mes amis. Le soir, je me suis couchée tôt parce que je suis exténuée en ce moment, sûrement à cause de ces histoires de Vlogmas, et j'ai décidé que j'allais m'écouter et plutôt que de vous fournir un contenu médiocre, eh bien je n'allais rien faire du tout. Nous reprenons donc ces Vlogmas ce lundi. Il est déjà très tard parce que journée comptabilité, je n'en peux plus, je déteste ça. Ce soir, j'ai un Secret Santa, la grande tradition des Secret Santa, donc c'est un Secret Santa avec les gens avec qui j'ai travaillé sur le grand projet secret qui s'est terminé quand j'ai commencé ces Vlogmas. J'ai tiré mon Santa Buddy, il s'agit de Sephora, que vous connaissez, et j'aurais aimé lui confectionner quelque chose. Je vais même pas respecter le budget parce que je ne vais techniquement rien acheter, je vais utiliser que des choses que j'ai à la maison. Alors il est un peu tard, hein, je me chauffe un peu, mais j'aimerais lui créer une petite trousse de toilette avec des cotons démaquillants dedans. La raison pour laquelle on se retrouve dans ce bureau aujourd'hui, près de mon coffre à tissu. Pour ceux qui me suivaient sur Twitch bien avant que je n'ai plus le temps pour faire des lives, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très bientôt, vous connaissez ma passion pour les sacs, les trousses, etc. en serviette de toilette. J'avais fait cette petite trousse pour commencer. La serviette de toilette est pas dingue, je vous l'accorde, mais parce que je m'attendais pas à faire quelque chose d'utilisable. C'est doublé, évidemment. Ensuite, j'avais level up et je m'étais créé une pochette trousse sac à aiguille à tricoter. C'est surtout le format qui est différent. Toujours doublé. Et on s'est laissé sur Twitch avec mon plus grand projet à base de serviette de toilette, qui est ici. Il s'agit d'un sac baguette, donc ça c'est pas terminé. La hanse est là, la doublure est ici et il manque la fermeture éclair. Vous avez à peu près capté ma vibe autour des trucs en serviette de toilette. Alors je connais pas tous les goûts de Sephora, je vous montre les serviettes de toilette que j'ai. Disclaimer tout de suite, je vais donc faire un déroulé de couture dans cette vidéo et je sens mes abonnés Twitch qui vont dire ah mais pourquoi tu l'as pas fait en live. Écoutez, j'avais trop peur que Sephora tombe sur le live. Je ne live pas cette couture, je suis désolée, mais je vais revenir, je vous le promets, je vais revenir, ne serait-ce que parce que nous devons finir ce sac. Alors j'ai celle-là qui est très grande, mais c'est pas la plus jolie que j'ai et je pense que ça n'est pas du tout au goût de Sephora. Le côté marron avec les fleurs, franchement je pense pas que ce soit sa vibe, et en plus un grand pan de tissu comme ça, je préfère me le garder pour un projet plus grand, genre un très grand sac. J'ai celui-ci que je trouve très très mignon, mais il est un peu petit. Il y a celle-là que moi j'aime beaucoup, mais je suis pas... Putain, elle m'avait dit c'était quoi sa couleur préférée. Attendez, je fais un autre à Thomas. Thomas, je sais qu'un jour avec Sephora on a parlé de nos couleurs préférées quand on était au bureau. Est-ce que tu te rappelles ce qu'elle a dit? Putain, ça m'énerve parce que je me souviens plus. Ah, ça m'énerve! Sinon, c'est vrai que j'ai celle-là qui est orange. Pour moi, celle-là, elle est pas mal. Et j'ai aussi celui-là avec du jaune. C'est vrai que celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Maintenant, faut voir aussi ce que j'ai en tissu de doublure qui peut convenir. J'ai foutu un bordel. J'ai celui-là, des petites fleurs. J'ai celui-là, pareil, Passion Liberty, des petites fleurs. Pour la doublure, c'est mieux que ce soit un tissu pas trop épais, quoi. C'est du tissu wax, c'est beaucoup trop épais. Ah, j'ai celui-là. C'est vrai que j'ai celui-là. Mais est-ce que ça va bien avec... pas trop, hein. Ah! Mais ça va pas du tout le faire. Ça ne va pas du tout avec. J'ai celui-là en vert. Ça va pas non plus. Et bien sûr, j'ai le classique, le grand drap 205 Turbo. Mais je suis pas sûre que ce soit son délire. Et pourtant, c'est celui qui irait le mieux. J'en ai pas d'autres. Bilan. Ça, on annule. Ça, on annule. Ça, pourquoi pas. Et ça, non. Non, non, non. Et bien sûr que j'ai vu qu'il y avait pas les vlogs depuis 2 jours. C'est donc pour ça que je suis dans une énergie beaucoup moins folle. C'est que j'ai pas ma petite dose de bonne humeur de la journée avec les vlogs de Mélo Coco, c'est tout. Voilà ce qui se passe. Et je suis sûr que plein de gens sont dans mon cas et que y a des milliers de followers complètement éteints de ne plus avoir tes vlogs masse, Mélo. Ayez un Thomas dans vos vies. Je vous le souhaite. Ah, mais si votre tissu a un endroit et un envers, on l'entoile, donc on positionne le thermocollant. Et c'est le grand retour des tutos de Julien Couture Enfant, qui, à mon sens, propose les meilleurs tutos sur YouTube. Clair, efficace, précis, c'est mes préférés. Je viens de trouver un zip d'une longueur de 35 cm, c'est le plus grand que j'ai en ayant des couleurs qui correspondent un petit peu à mes tissus. Ce qui signifie que ma trousse doit faire, allez, de largeur 30 cm max. Alors, c'est un peu dommage, parce que du coup, je vais couper ses bords, parce que si je garde qu'un côté, c'est bizarre. Moi, je préfère que ce soit centré. Ceci dit, ça va rendre la trousse un peu moins vintage et peut-être que Sephora peut mieux aimer le style. Donc, let's go. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais fait.
j'ai coupé mon maître ruban. Mais je m'en suis pas rendu compte, hein. C'est-à-dire que ça, je l'ai rembobiné. Et puis j'ai voulu retourner mon tissu, j'ai fait « Oh, c'est quoi ?» J'ai coupé mon ruban. Il est 18h43, ça m'énerve parce que j'ai ses chutes et j'ai quand même envie de lui faire même 3-4 cotons lavables. Ça va pas me prendre de temps parce qu'en plus je vais en faire quoi de ça. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir dedans des petits cotons lavables. Vite, je me dépêche. J'ai eu le temps de faire 4 gros cotons lavables. Comme ça, hop, je vais mettre un petit nœud. Je vais les mettre dans la trousse et puis ça fait un petit cadeau. Petit outfit of the night pour un Christmas, un comment on appelle ça? Secret Santa. Oh là là, un Secret Santa. J'ai gardé mon t-shirt du jour, j'ai rajouté une jupe et des collants, des beaux bijoux. Et surtout, cette sublime paire de Doc Martens. Je sais même pas comment vous les montrer. Que Doc Martens m'a envoyé pour Noël. Non mais pardon, mais stop. Mais pardon. Alors déjà, plateforme, je suis trop contente parce que j'en avais, mais des noirs simples. Donc trop contente d'avoir des plateformes. Et oh mon dieu quoi. Oh mon dieu, la beauté. Arthur, mes nouvelles chaussures. Oh. Non mais elles sont cool hein. Elles irradient la salle de toute leur beauté. C'est Doc Martens qui me les a envoyées pour Noël. Merci Doc Martens. Ah, ouais, merci beaucoup. Et ils m'ont envoyé avec des petites chaussettes et un kit d'entretien de Doc Martens. Et ça, ça fait plaisir. Moi-même. J'adore. C'est une trop bonne réponse. Avec des petits cotons lavables. Et c'est pas un cadeau en merde. C'est pas bien fait en fait. Merci. Je te remercie. Alors c'est allons quoi, voir. Déjà, bah en fait, je fais pas exprès, mais je dis tout le temps la même chose. C'est merci d'avoir regardé ce vlog ou cette vidéo. À demain pour un prochain. Et c'est là-dessus que je vais clôturer le vlog. Je clôture. Moi, je vais clôturer ce vlog, Thomas. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain dans un prochain vlogmas. Est-ce que tu t'excuses pour du non-vlog du jour? Je l'ai déjà fait au début. Ah, ok. Tu peux dire ciao. Ciao. Ciao.